Assez. Bon. On y est. On était voir Star Wars 7! Wouhou! Ouais. T'as-tu aimé ça? C'était... Oui, très. Donc! Donc, qu'est-ce que tu t'attendais de Star Wars 7? Ben... J'avais vu les 6 autres, mais je m'en rappelais pas. Ouais, ça faisait longtemps. Ouais, ben... Je sais pas mal ça, là. Toi non plus, tu t'en rappelais pas beaucoup. Non, là. Je m'en rappelais pas. C'est vraiment. Ça. Je m'en rappelle que le 1, 2, 3, j'ai pas vu le 3 parce que les deux, le premier puis le deuxième étaient tellement plates, que le troisième, tout ce que je voulais voir, en fait, puis je l'ai jamais écouté, c'était de voir la transformation de Anakin en Luke, en Darth Vader. Darth Vader, voilà. Mais les deux, là, 1, 2, là, c'était pas bon. Là. C'était incroyablement plat. C'était plate. Ouais. Autant le 4, 5, 6, c'était innovateur. Que c'était, tu sais, c'était spécial, l'histoire était quand même bien ficelée et tout. Premier puis deuxième, là, pff, ok, Anakin, là, c'était un jeune, puis il voit plus sa maman et tout, là, mais c'était plat. C'est cool. Ouais. Donc, moi, pour le 7e, j'espérais, et c'est ce qui est arrivé, que ça soit pas trop nunuche, trop cheesy, là, tu sais. Parce que je savais qu'Harrison Ford, je l'avais vu dans les previews, là, comme à peu près. Trois quarts de la population de la Terre. Là. Je savais qu'Harrison Ford ou Han Solo était pour être là. Je trouvais ça le fun, mais j'avais peur, j'avais des craintes que ça soit cucu, comment il était pour être amené, puis comment il était pour être utilisé dans l'histoire. Mais non, il est très bien. Finalement, très bien, c'est. Ouais, finalement, c'est un personnage qui se tient, ouais. Qui est pas là juste pour le fun d'être là. Il sera pas là dans les prochains, visiblement. Il y a des spoilers, donc... C'est écrit spoiler. Oui, ça a fait un arrière. Bon. Donc, oui, il est tué par... Par son fils, qui est Kylo Ren, dont on peut voir sur les gobelets Subway. Oui. Ça, c'est... On en a comme 5-6 de lui. Bref, oui. Ça va pas dire qu'on y passe ça, c'est juste... Non. Donc, Harrison Ford meurt. Oui. Chewie reste. Ça va être le fun à voir aussi dans les prochains. Ben, oui, juste Chewbacca en train de conduire le... Ça va être le copilote de la fille Ray. Kilo Ray. Ouais. Ben, il y avait... Quand Han Solo meurt, c'était un peu prévisible. C'était... On voyait la... Ben, il est sur une passerelle. Oui, c'est ça. Exactement la même image que dans Star Wars. Quand Darth Vader affronte Luke Skywalker. Ouais. Fait, tu te dis, il y en a un des deux c'est qui ça. Va mourir. C'est ça. C'est soit Kylo Ren ou soit que c'est Han Solo. Donc, on s'attendait à un des deux, mais de la façon qu'il tue, ça me surprenait pas tant que ça. Tu sais, il donne son sabre, il le prend dans ses mains. Puis là, ben, tu sais, il se retourne, il part, puis là, vu qu'il y a un côté, ouais. Ben, ça le tue. C'est juste arrêter le fun. Qu'il l'aille dans un vrai combat, déjà. Ben, ou. À la place de... Reviens à la maison. Oui. Ouais, c'est ça, là. C'est Han Solo qui essaie de repentir son. Ben, son gars qui est rendu. Oui, ça, oui. Ça, c'était cucu. Ben, oui, ça, je te l'accorde. Oui. Quand ils sont là, puis là, ils essaient de le ramener. De le sortir du côté obscur. Mais il avait pas confiance en lui parce que là, Luke qui avait essayé pendant étant plus jeune, puis. Ben, il avait essayé de l'entraîner. On sait que Luke Skywalker a essayé d'entraîner le garçon de Han Solo puis de la princesse Leia. 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 Donc on savait qu'il l'avait entraîné mais que ça n'avait pas fonctionné puis à cause de ça, Luke était comme disparu de la map. Mais, ouais, c'est vrai, l'histoire, c'est au générique. Ils ont gardé le générique. Ça, j'ai trouvé ça le fun. Je m'attendais pas à ce qu'ils gardent vu que c'était Disney. Mais, tu sais, je m'y attendais. Franchise. Ouais, c'était un peu comme en honneur à Lucasfilm. Ben, je pense que c'est une signature, tu sais, parce que ça t'introduit le film. Ça te fait économiser une scène d'introduction. Oui. Parce que ça te l'explique, puis après ça, on part direct dans l'histoire. Ouais. Puis il y a Luke Skywalker, l'acteur. Qui a été repris et son dernier film a été Kingsman. Oui,
Ben, mon père ne savait pas ça. Non, je me rappelais pas de l'avoir vu dans Kingsman, qu'on ouais. avait vu d'ailleurs ensemble. Oui, je pense qu'on l'a vu au cinéma, c'est ça. Je pense que oui. Mais bon, bref, voilà, c'est quart du sujet. Donc voilà, donc. Je sais pas. Bref, donc. Le film était très bon. Oui. Mais les effets. Oui, vas-y. Au moins, on sait maintenant que Princesse Léa et Han Solo sont vraiment ensemble. Si c'est pas. Ils se sont séparés, puis là, il est encore pilote du Faucon Millennium, pis, mais il travaille pour elle, fait que là, il s'engueule tout le temps. Ça ouais. Il aurait pu faire ça, mais ça, il aurait pas eu de méchant. Il aurait dû faire un méchant, puis faire une introduction de. Fait que là, méchant, ouais. Il aurait dû faire un autre méchant, fait que c'était un peu sûr. Il y aurait pas eu d'autre façon, je pense, d'introduire un méchant. Ça aurait été un gars d'une autre galaxie qui aurait voulu se venger de Han ouais, Solo. Ouais, j'avoue que ça aurait fait comme. Souvent, là, que c'est juste un méchant qui apparaît, tu sais pas d'où, tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment. Mais t'sais, sinon, ça aurait pu être que Luke avait tué le fils d'un gars, pis le, ce gars-là, ben, il a tué tout le monde parce qu'il est pas content. Ouais. Ouais, c'est vrai. Mais mis à part ça, c'était le fun. Moi, j'ai bien aimé les effets visuels. Ouais. Tu sais, il y a tellement d'effets qui est fait à la mitaine, si ouais. on peut dire, là. Sans comment on dit CGI en français? Tu l'as. SG. Non, mais en image de synthèse, c'est ça. Ah, ok. Il y a beaucoup d'effets visuels qui ont été faits entre guillemets en vrai et non pas juste en image de synthèse. Mm-hmm. Qu'à un moment donné, on sait plus qu'est-ce qui est quoi. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça le fun. Mm-hmm. Mais j'ai trouvé un peu qu'ils se reprenaient des autres films. Pas comme une. Toi, tu l'as pas aimé tant que ça, hein? Ouais, pas tant que ça. Tout le monde disait qu'il clenchait les autres, c'est vrai. Même si je m'en rappelle pas beaucoup, c'est vrai que ça surprend plus que les autres, d'après mes souvenirs. Ils sont pas forcément bons, mais. Il me semble que c'était pas mal bon. Mais ils se reprenaient beaucoup des scènes de d'autres films. La scène de l'étoile noire, elle est reprise, ils ont juste changé de nom, puis elle est juste plus grosse. Les scènes dans les tranchées de. Là, c'est une planète. C'est plus une étoile qu'ils ont créée. Là, c'était une planète avec une étoile noire dedans. C'était vraiment juste ça. Là. Puis j'ai l'impression que c'était comme du reprenage de chaque scène. Tu sais, c'est des personnes qui sont dans les tranchées. Ah ouais, tant que ça, t'as trouvé ça. Ah ouais, ils sont dans les tranchées. Ils sont dans les vaisseaux. Ouais, puis ils s'en vont avec les X-Wing. Puis ils s'en vont détruire le centre. Puis ils font tout péter. Là. C'était un peu la même scène. Ah ouais, t'as raison. T'as absolument raison, c'est vrai. Puis tu sais, ils font la même chose. C'est juste que le rayon laser de l'étoile. La planète est comme rendue rouge à la place de vert de l'étoile noire. Ouais. C'est. Mais toi, tu lui donnerais combien sur 10? Il est moins bon que Hateful Eight. Ouais? Oui. C'est vrai que tu sais. Ouais, oui. C'est vrai que j'ai remarqué que t'étais plus emballé en sortant des 8 enragés que de Star Wars. Oui, parce qu'on fait. On fait le. Les deux vidéos à la suite. Ouais, un à la suite de l'autre. Allez voir l'autre. Puis on les a vus à. Une journée. À une ou deux journées d'intervalle. Ouais, c'est ça. On va faire un lien en bas pour que vous puissiez voir notre. Cette vidéo des 8 enragés. Ouais, exactement. Puis allez voir les deux bandes annonces aussi. D'après moi, on va aussi mettre ça dans la description. Ouais, on va mettre les bandes annonces ben, des vidéos respectives. Autant ouais. là, on va mettre les bandes annonces de Star Wars que l'autre, on va mettre les bandes annonces pour les 8 enragés aussi. Ouais. Moi j'aimais ça. Les points que tu soulèves par exemple, c'est vrai. Moi je les avais pas vus comme ça. Moi j'ai trouvé ça le fun que ce soit pas, comme je disais tantôt, que c'était pas cucu puis que c'était pas hyper cliché comme ouais. ce qu'on voit souvent là, les reboots. J'ai trouvé ça quand même bien fait. Ouais. La quantité de travail qu'il y a en arrière de ce film-là est hallucinante. Mm-hmm. L'histoire était quand même. Était quand même bien ficelé. Il y a quelques places que ça accrochait, comme R2-D2 qui ressuscite. Il y a comme rien qui le fait ressusciter. Il est même pas plugué. Il y a pas de personne qui est en train de le réparer. Ça fait je sais pas combien de temps c'est que juste... Luke Skywalker est parti, puis là tout d'un coup, poum. T'as juste ces trois PO qui dit il s'est éteint quand Luke Skywalker est parti. Ok. Puis il est pas revenu. Pourquoi il s'allume? Ouais, exactement. C'est comme juste pour donner la carte d'où il se trouve. Juste pour ça, il se réveille. Juste au bon moment. Ben oui, pis tu sais, quand au début du film, quand t'as l'autre BB-8, il arrive, pis il se met devant lui, il s'allume pas. C'était
Voilà. Mais c'est vrai, ok. Il s'est dit, la force est venue en moi, il faut que je m'ouvre. Ouais. C'était pas mal rien que ça. Mais R2-D2, ouais, quand il est parti, quand il s'est réallumé, plutôt, je pensais que Luke était. Il était là, il était revenu, il était c'est pas ça, loin ou quelque chose. Là. C'est ça, tu sais, il est revenu en X-Wing ou ouais. Il est parti battre avec les autres, fait qu'il s'est réveillé. Mais les prochains, par exemple, je pense que ça va être intéressant de voir ce que ça va donner parce que à la fin de l'épisode 7 qui vient de sortir, à la fin de cet épisode-là, on voit Luke Skywalker, ouais. Et on finit par le retrouver. Donc, l'impression que ça, en tout cas pour moi, l'impression que ça donne, mm-hmm. c'est qu'il va faire un. Va comme reprendre un peu le rôle de Yoda dans le. Je pense que c'est dans le cinquième épisode. Ouais. Qui se fait, que lui-même se fait entraîner par ouais. Yoda. Fait qu'il va entraîner la fille. Il va entraîner les autres. C'est ça. Mais la fille, elle a. Kylo Ren, il avait l'air quand même assez fort. Parce que Luke Skywalker, il avait pas réussi à le convaincre de revenir. Vu que c'était le fils de Han Solo, il se dit que bon, ça. Ouais, c'est simple, il a pas réussi à le convaincre, fait qu'il est parti, mais la fille elle a réussi à le battre, mais il est pas mort. Ben, on sait pas finalement s'il est mort. Non, il est pas mort. Il était à terre, ben... Je veux dire, ben, tu sais, Darth Vader, il avait plein de morceaux de coupé, puis il est revenu. C'est 3PO, il a changé de bras, puis il est revenu. Ben oui, mais tu sais, puis on voit Luke Skywalker, là, qui a une main... Ouais, on le voit à la fin une main mécanique, là. Ouais, mais check, ben, il s'est fait exploser avec l'étoile noire, là. À part si de l'autre côté il y a un vaisseau qui est parti là, mais tu sais, deux minutes après là, il était parti puis elle avait, tu sais, il était à terre couché, la planète s'avait fendue en deux puis le gars il était l'autre bord là. Ah, je pense pas que ça va être super. Tu sais, il s'avait foutu à terre, deux minutes après il était parti puis ça avait explosé là. Ah, en deux minutes ça surprendrait qu'il ait utilisé la force pour pousser la planète là. Bah, on sait jamais avec la force. La force, c'est le géant qui parle, qui a pris la planète, tu l'as déplacé. Ouais. T'as, je te sauve, voilà, l'hologramme. Mais finalement, dans les Star Wars animés, me semble qu'il y avait, les hologrammes, ils peuvent les mettre en grand. Fait que d'après moi, c'est une espèce d'alien, face déformée d'un côté. Il y avait un peu la face de Darth Vader, à moitié. Ses oreilles, ils ressemblaient pas, il était trop maigre pour l'être, mais sa face était déformée d'un côté. Mais Darth Vader, bah... Darth Vader, il avait... Il était un mais peu comme... Mais il est mort, Darth Vader, là, parce qu'il est tombé dans le trou, là. Ouais, pis il y avait... Ouais, mais tu sais, on a retrouvé son casque. Puis c'est comme tu disais, ça vous fait découper n'importe quel monde, puis il est revenu. Ouais. C'est tombé dans un trou, peut-être que l'autre bord, c'était un trou de la planète, puis qu'il est revenu. La gravité a fait qu'il l'ont pogné. Puis il y avait un trou des deux planètes, puis il avait du view. Ouais. Puis ça fait comme un slip shot. Écoute, tout est possible, là, c'est sûr. Il a tombé, il est sorti de la planète, il est atterri dans l'atmosphère d'une autre planète. Voici l'histoire. Non, il s'est pogné sur un X-Wing. Qui passait. Non, mais les X-Wings, c'était avec les gens. Oui, mais là, il y a un X-Wing qui est passé quand il retournait, puis là, il est tombé. Oui. Il avait dit. Ouais, mais là, je pense qu'on s'écarte l'histoire. Oui, puis on s'écarte aussi de la note que j'y mets. Oui. Combien tu mets? Un beau 5. Ah, pas plus que ça? Non? Ben non, c'est correct, c'est ta note. 5,5. C'est ta note. Moi, je lui donnerais. 5,5. Non. Je donnerais peut-être un 7. 7,5. Mais c'était un très bon film. Pour les filles qui veulent aller le voir ou si votre blonde n'est pas trop chaude à l'idée, ma blonde qui avait jamais écouté de Star Wars a aimé ça. Ça, c'est un avantage. Je m'en rappelais plus, mais ça, j'y donne un 7. Parce que ça pète tout. C'est que dans les autres, t'avais quand même besoin d'avoir vu les autres pour comprendre un peu l'histoire. Mais t'sais, c'était juste des gars, là c'est quand même une fille. Oui, c'est ça, la là protagoniste. C'est... Ouais, c'est dans les deux protagonistes. Ouais, mais avant, il y avait pas de fille. Ouais, t'avais juste Princesse Léa, puis... Elle faisait pas grand-chose. Elle tirait partout, puis elle tuait personne, là. Mais... Ouais, t'as pas besoin d'avoir vu les autres pour comprendre l'histoire. Moi, j'ai vu le 4, 5, 6 avec Luke. J'ai pas vu les autres. J'ai pas besoin de comprendre que Darth Vader, c'était le père d'Anakin, puis que... Non, c'est le fun de le savoir quand tu les as vus, mais c'est pas indispensable. Nous deux, on s'en souvient pas beaucoup là, des anciennes franchises. Fait qu'on en a pas beaucoup besoin de s'en rappeler. Tu sais, c'est une toute autre histoire, un autre objectif. Bon, quelques scènes reprises des autres à cause de YouTube, que je veux. Plusieurs scènes cultes du film que je me souviens. Là. T'as peut-être joué même au Lego Star Wars, le jeu vidéo. T'as-tu déjà joué? Ah oui, quand j'étais petit, yes. Mais ouais. Mais
Ça, c'est une scène, c'est un peu extrême comme reproche, mais la scène du pont dans, dans l'étoile noire sur la planète, là, c'est un peu la même scène quand Luke tombe avec son père. Tu sais, ils tombent les deux. C'est pareil. Là, c'est, là, c'est plus c'est son père encore avec son fils. Sauf que là, ça l'échange. C'est le fils qui tue le père. Ouais. Puis là, c'est le père qui tombe. Ouais. Voilà. Mais par contre, Luke, il se fait pas tuer. Voilà. Non. Mais il se fait juste couper son bras. Ouais. Donc, sur ce, on vous laisse. On vous laisse. Vous avez des questions, si vous voulez poser des commentaires, ben, gênez-vous surtout pas. Ouais. Puis, on en fait. Est-ce qu'on en fait d'autres les prochaines fois qu'on va en voir? Ouais, ouais, tout à fait. Dans les premiers, on en a fait deux. Tac-tac. Tac-tac. Back-à-back. Back-à-back. Donc, En tac-tac. Mm-hmm. Ok, on en fait d'autres. Ouais. Donc, sur ce. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ah, oh, ouais, là, je ne la mettrai pas, puis là, on en tantôt. Salut! Ciao. Ah, oui, ça. Elle a pas lâché.